fait un très bon match. Aix a bien rentré dans le match. Ils ont une très bonne équipe. Wesley aussi a fait un grand match. Il a fait pas mal d'arrêts. Il a empêché voilà, qu'on prenne l'avantage plus tôt dans la partie. Je pense que le score final et la différence est très grosse, mais ça ne reflète pas forcément l'intensité du match et la valeur de l'équipe en face. Mais bon, c'est un très gros match pour nous et ça nous a donné beaucoup de confiance et on est très, très heureux d'avoir réussi à faire ce match-là chez nous avant un gros mois de novembre-décembre. Voilà Karabatic en puissance. On peut dire des joueurs de qualité à tous les postes. Ils ont eu beaucoup de changements, c'est vrai, mais ils restent très dangereux. Ils ont des internationaux voilà, à tous les postes. Il y a Melvin aussi, Richardson qui est revenu. Donc ça va leur apporter encore plus de rotation, beaucoup plus de talent et de potentiel. Donc non, c'est une équipe qui a, comme j'ai dit, beaucoup de dangers à tous les postes, qui joue la Ligue des Champions, qui a l'expérience des grands matchs et qui sera au rendez-vous. Donc ça reste un grand choc du championnat et on doit bien se préparer face à eux. Et ça, c'est le boulot des coachs. On va bien le faire à la vidéo, je pense, et pendant les entraînements, les quelques entraînements qui précèdent cette rencontre. Il peut se passer énormément de choses dans le championnat et on l'a vu depuis le début de la saison. Il y a beaucoup de surprises et de résultats étonnants. Mais ça reste quand même malgré tout un choc du haut de tableau. Et battre Montpellier et prendre 6 points d'avance sur eux, ça serait vraiment marquer un coup assez fort. Et s'ils nous battent, ils reviennent derrière à 2 points et ça resserre encore plus le haut de tableau. Donc je pense que c'est un rendez-vous très très important et beaucoup de choses peuvent découler de ce match-là pour la suite du championnat. Le fait de jouer à la maison, d'être invaincu à Coubertin depuis plus de 50 matchs, je crois, ça nous met automatiquement dans la peau du favori. Mais ça change rien du tout. On sait que Montpellier a le potentiel pour venir à nous titiller à la maison. Le fait d'être favori, non, ça ne vient pas jouer dans nos esprits, en tout cas nous sur le terrain et les joueurs, c'est plutôt. Autour, c'est toujours autour que se montent un petit peu les histoires, mais nous sur le terrain, non, on sait qu'on est chez nous.